Voilà, eh bien, je suis très heureux d'accueillir la télévision pour cette soirée qui est exceptionnelle. Ce sont mes amis qui sont là ce soir. J'en ai d'autres, bien sûr, mais ceux-là ont répondu présent tout de suite. Et ce sont des amis fidèles, puisqu'il y a plus de 40 ans que je les côtoie. Ils vont nous offrir un spectacle qui sera magique, qui sera surtout original. Et je crois que ça sera unique. Voilà. C'est la première fois sur scène qu'on peut avoir des gens comme Guy Bonnet, en même temps qu'André Chiron, en même temps que Stéphane Manganelli, et puis aussi des amis qui sont des amis chanteurs, qui font la chanson française. Ce sont des gens que je côtoie depuis 40 ans, effectivement. Pour clôturer ces 10 ans de programmation à Perm des Veillées Cotalines, je ne pouvais pas rêver mieux. Alors je vous souhaite à vous aussi une bonne soirée, et mon public qui est derrière et qui attend, c'est pour bientôt. Voilà, merci. Bonsoir mesdames. Et bonsoir messieurs. Jean, on le connaît depuis très longtemps, bien sûr, et on assiste à toutes ces prestations, ces soirées, ces veillées, ces conférences, et donc on pouvait pas faire autrement que d'être là ce soir. Voilà. Alors, n'avez-vous pas vos dépôts de vous plaindre tout? Et c'est plein nulle part. Mais bien entendu, c'est une cause naturelle. C'est notre cause. Nous savons bon qu'avait une vie de dorade. Et Macron, une belle ligne, pour n'aime pas là. Et des cascarellailles pour la faille partisan. Pas qui la seguide, dis un autre numéro. Je suis venu à cette soirée de gens parce que. Avec Jean, il y a une complicité énorme depuis, on se connaît depuis 1975. Nous avons fait presque la guerre ensemble. On est presque comme des frères. Alors que c'est vrai que je vois souvent mes copains artistes, je les vois plus souvent que mes frangins. Voilà, parce que moi, j'habite pas là, moi, j'habite Vichy. Vichy, c'est là où tous les ans, pour le 14 juillet, il y a la prise de la pastille. Ah, d'accord. La pastille de Vichy, ça coule de source. Pourquoi cette soirée? Parce que je connais Jean depuis très longtemps et qui m'a demandé de venir participer à ce moment. Alors bon, c'est vrai que ça va être un Provençal, malheureusement. Je parle pas le Provençal, je le comprends un petit peu. Tout à côté des cadets, des cadets, taquinet un coquin. Coquin, hérétique, coquette, tout en tricotant, discuter, décapoter, décritiquer, d'un compte toqué, qui comptait un petit cas, tout un tas de tickets, le quai, quand tout à tout, tic à tic. Je suis aujourd'hui à Perne, on va dire que c'est une soirée d'amitié, puisque c'est en quelque sorte le jubilé de notre ami Jean Coutarel. Alors, ben voilà, on s'est réunis pour pousser la chansonnette. Pour pousser le plaisir à être ensemble et témoigner de notre amitié à notre ami Jean. Si je viendrai plus, éteindrai plus, j'irai au pied, mais c'est mon père. Éteindrien, lila qui joue, tout vieille qui sont, mais faille pas mes. Mais faille pas bien, ben coquaré. Un extrait, je me fais signer. Après, il n'y en a qu'un pas. Je m'ai fait signer, c'est parce que tu as dit ça. Et on a dit, il n'y en a qu'un pas.
Il roulant des feuilles de vigne, flot des clouds et flot des rilles. C'est bien. Celui qui va venir maintenant, c'est une surprise. Ouais, personne ne le sait. Il m'a fait ce plaisir immense de venir nous voir. Je n'ai pas eu de ballon rouge quand j'étais gosse dans mon quartier. Dans ces provinces où rien ne bouge, tous mes ballons étaient crevés. Je n'ai pas eu de promenade seul face à face avec la mer. Quand le cœur rythme la cadence des mouettes qui nagent dans l'air, j'ai rien demandé, je n'ai rien eu, j'ai rien donné, j'ai rien reçu. Je n'ai jamais joué au milieu quand j'étais gosse dans mon quartier. J'étais cloué dans ma famille comme un martyr à son bûcher. Je n'ai pas eu de vraies vacances seul face à face avec le vent. Je lisais le Marquis de Sade et j'aimais déjà les divans. Je fais partie du jubilé de Jean pour bonne raison. C'est que c'est un grand monsieur du spectacle, je le considère comme ça, un grand monsieur du spectacle. C'est un monsieur qui connaît la scène comme très peu de gens la connaissent. C'est un monsieur qui représente pour moi eh bien, un artiste convaincu, résolu. Et je le considère vraiment, je le respecte. Voilà. Je le respecte beaucoup. Eh bien, je suis ici ce soir pour Jean Coutarel, puisqu'il fête son jubilé. Et c'est vrai que ça fait maintenant quelques années, c'est pas 50 ans que je le connais, mais ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît. Et il m'a demandé si j'acceptais de venir. Bien sûr, je ne pouvais pas faire autrement qu'être là. C'est un vrai bonheur. D'abord de faire ce plaisir à Jean, vraiment. Voilà, pour moi c'est un père, on va dire. Et j'ai eu l'occasion de partager des scènes avec lui. Et j'aurais tout fait pour venir. Voilà. J'étais pas très loin, j'étais qu'en Ardèche, mais ça m'aurait embêté qu'il le fasse et que je puisse pas venir. Voilà, donc j'espère qu'on va passer une bonne soirée en toute amitié, en toute simplicité. Et ça me convient très bien ce type de soirée, de rencontre. Voilà. Non, il y a un mot important dans la chanson là, c'était. J'aimerais qu'on le fasse tous ensemble. Hein. Ok, on y va. Je la couperai après-demain. Et si je peux pas la couper moi-même, dès je lâcherai. Tenez-vous la paix, bon déjeuner, vous plaît de mes tous. J'ai la couperai aussi bien. Un-même, c'est pas vrai, c'est un-même. C'est pas que l'on soit fini en par ici. Mais, oui, il paraît qu'à Berne, c'est encore plus qu'ailleurs. Mais la terre est basse dans notre midi. Jean Coutarel, c'est un ami d'abord, et puis ensuite, c'est quelqu'un qui représente la province professionnelle, qui a voué sa vie à la musique et à la province. Je crois qu'il a droit à tous les honneurs par rapport à ça. Et Jean Coutarel, il a gagné ou la IRS Contra à Vieux, il a un 6e, et Ewer un 13e à Vaison, à Vaison-la-Romaine. Et puis, Ewer du Gavre, de Lucaire de la Cour, ou ma côte du Gavre de l'Harmonica, du Gavre de la Guimbarde, du Galoubé,
Et nous autres, nous badaviens, nous escoulants, nous autres, nous badaviens. Il y avait toujours des escoulants à Sumento pour les scouts. Aviez déjà l'âme d'un artiste, l'âme d'un musicaire, l'âme d'un puntaire. Feli Bresso, Bastidano, Trubai Risse, Partisano, degli Risa, vengo dare ai capitano Aureliano, alla Torre di Costanzo, ai mafiato resistano, sabe consulero di Bau, consulero di Oliveru, consulero di Cheribus, consulero di Capiasses, tutti gli sigalo canto. Jean est un ami, quand il demande quelque chose, ça se refuse pas. Puis qu'on se retrouve entre amis, chanteurs, musiciens, comédiens, voilà, c'est un bon moment à passer ensemble. Avignon, ma vie, que vision magnifique, c'est du bar et tout bon, mais ça n'a qu'à peine antique, changerai les couloirs d'oros et des cirribes et flamières d'eau. Arrive au Avignon, ciel du bord d'Italie, mais tu bord des pigeons, la même temps, des petites filles qui t'y paraillent, soumets au fil fourmis à Bruno, et maille qui baisse au sol, qu'un maillot soumets. Cours les hommes, viens à l'amour. Je vous ai dit, l'année prochaine, trouvez quelqu'un d'autre. Hein. Vous savez ça, voilà. J'y crois pas. Il y a à peu près une dizaine d'années, on était allé voir aux arènes de Nîmes, Charles Aznavour, c'était son dernier concert. Il y a au moins 15 ans, c'était le dernier. Donc on a encore des belles années devant nous pour les veillées comptabiles. Hein. Ce tableau, je l'ai fait pour le papillon de Carpentras. Et disons qu'il était le centenaire de l'anniversaire de Henri Fabre, et j'ai fait ce tableau. Et là, je l'ai repris complètement. Et puis, j'ai préféré donner à la mairie de Pernes. J'espère qu'il restera toujours là. Henri Fabre. Jean-Henri Fabre. J'ai débuté grâce à Jean, j'ai fait mes premiers concerts avec lui, et grâce à lui aussi, c'est grâce à lui que j'ai été sur scène. Donc voilà, j'estime que s'il y a eu quelqu'un qui devrait être prioritaire, c'est moi. Et bon, mais je partage volontiers la scène avec les autres quand même, c'est pas un problème. Et je suis ravi de les voir d'ailleurs tous les autres. Et donc ben voilà, donc ça fait plaisir à tout le monde et moi particulièrement d'être là pour ce jubilé. Et puis les choses continuent de toute façon. Rien ne s'arrête, donc que ça continue encore longtemps. Serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un corps aux doigts dormants? Je veux blottir ma vie tout contre toi, tout contre, enrouler dans tes voiles et porter par les vents. On vient de finir le spectacle, la dernière veillée comtadine, mais qui a été une veillée exceptionnelle, une veillée grandiose, et grâce à Jean Coutarel, eh bien, on a eu sur cette scène tous ceux que représente la Provence, tous les grands noms de la Provence, les chanteurs Guy Bonnet, Plantevin, Manganelli, André Chiron, plus des
des invités surprises avec ce monsieur qui a une voix de, qui a la voix de Serge Lama extraordinaire, cette dame qui chante Edith Piaf. C'était quelque chose d'extraordinaire. Le monsieur avec les avec l'orgue de Barbarie, en plus de ça à Perle maintenant on a un facteur de Barbarie. Ça a été vraiment une soirée, une veillée extraordinaire, provençale, comtadine. Et cette soirée-là, grâce à toutes ces grandes vedettes que Jean a eu le mérite de réunir sur scène, et bien Perle est redevenue la capitale du comtat vénitien. Et par-dessus tout ça, on vous donne à l'étrenne l'accent.